Et ce que je veux vous dire ce soir est très important, c'est unique. Vous ne l'entendez pas nulle part. C'est dans l'enjeu politique mondial qu'actuellement nous sommes témoins. Ça concerne l'Israël, Hamas, Palestine, Iran, surtout la République islamique d'Iran et le pouvoir des ayatollahs. Ça, c'est très important. Écoutez bien et prenez note de cette information assez importante que peut-être ça peut être positif pour installer la paix au Proche-Orient. Ici et maintenant, 24h sur 24, sur internet, ici-et-maintenant.com, la radio. La radio, mes chers amis. Alors, on dit, et on sait très très bien que c'est la République islamique d'Iran qui est derrière tous les mouvements terroristes mondiaux. À l'époque, vous aviez Libye, Gaddafi, Hafez al-Assad, vous aviez Saddam Hussein, vous aviez Anwar Hoxha en Albanie, vous aviez Fidel Castro à Cuba et beaucoup d'autres pays qui étaient sous la reine de l'Union soviétique. Et l'Union soviétique, puisque lui-même ne voulait pas intervenir dans les autres pays, puisqu'il avait de bonnes relations avec le monde entier, il y avait la guerre froide, on dit, il faisait ses interventions par les pays qui étaient sous l'ordre de l'Union soviétique, comme Libye, Irak, Syrie, et une partie de Yémen, etc., etc. Alors, ça concernait également l'Iran et le régime de Shah d'Iran de l'époque. Alors, ils ont créé des mouvements marxistes, des mouvements communistes et des mouvements marxistes islamistes. C'est-à-dire, le mouvement était musulman avec idéologie de marxiste. Ça, c'est une longue histoire que je ne veux pas entrer dedans aujourd'hui, ici et maintenant. Mais une chose que vous devez savoir, parmi ces gens-là, une partie des ayatollahs iraniens, avec le turban, il était l'homme de Dieu, mais en même temps, il était l'homme de l'Union soviétique. C'était des communistes, c'était des marxistes islamistes qui ont fait des stages idéologiques et stages d'utilisation d'armement chez les Palestiniens ou chez Saddam Hussein, ou en Libye. Et même, il y avait des radios en persan diffusées à l'époque contre le régime de Shah d'Iran. Alors c'est pour ça une grande partie des ayatollahs qui ont enfin pris le pouvoir après Shah d'Iran, c'était les ayatollahs rouges, les ayatollahs marxistes, communistes ou marxistes islamistes. Parmi ces monsieur Khamenei, moi je le connais, Ali Khamenei, puisqu'on vivait dans la même ville et même quartier, et mon bureau était proche de son mosquée, je le courtoyais. Et sa famille aussi, et ses enfants, et tout et tous. Et je constatais même à l'époque que j'étais un enfant, après j'étais un peu adulte, et mais je constatais qu'Ali Khamenei était de gauche, était marxiste, communiste. C'est-à-dire, il sortait de l'islam et l'idéologie socialiste, qui n'existe pas, socialiste. Enfin, ça aussi, c'est une longue histoire que j'en avais parlé depuis 40 ans et j'ai écrit dans mes bouquins. Je passe. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que les ayatollahs, de toute façon, c'est des démagogues. Il dit n'importe quoi et il fait n'importe quoi. Comme Gauche Caviar, que je vous ai parlé, dévoilé le secret de Gauche Caviar, et je vous ai dit, il parle, mais une fois qu'il est au pouvoir, il ne fait pas ce qu'il parlait hier. Le cœur a
pauvreté, travailleur. Mais la manne, c'est dollar, pétrodollar, c'est gauche caviar. Le caviar, c'est l'Iran. Meilleur caviar, ça, je vous ai déjà donné des explications. Et les ayatollahs, c'est la même chose, c'est pour ça que gauche caviar, c'est comme les ayatollahs. Il dit, mais il ne le fait pas. Il parle, mais il ne le fait pas. Alors pour ça, ce qui aujourd'hui, je veux vous dire, peut-être c'est comme ça, mais si on le tient fort, peut-être on peut arriver à quelque chose. On ne sait pas. Mais jamais il ne faut pas faire confiance aux ayatollahs. Alors, Ali Khamenei, premier jour, quand 7 octobre, il y avait l'attaque en Israël par Hamas, tout de suite, il a dit, ah oui, nous avons gagné, ce con-là, il pensait que les terroristes, ils ont envoyé l'Israël en totalité. Ils ne savaient pas qu'il était dans le désert, 3 km de distance avec Gaza, dans un festival de la musique. Ils ont attaqué quelques kibbutz et celle de la musique. Mais puisque le propagande était tellement fort que ce con-là, il a pensé que ça y est, l'Israël est chuté. C'est-à-dire patati patata. Mais tout de suite après, dès qu'Israël est attaqué, il est où? Oh là là, c'est grave. Et ils vont attaquer l'Israël, l'Iran aussi. Ah, il a dit, non, c'est pas nous, hein, c'est pas nous, non, Hamas, c'est pas nous. Nous, financièrement, on va aider tous les terroristes, mais Hamas ne sont pas sur mes ordres à moi. Après, même depuis, on est en train de dire que Hamas, c'est Qatar. Mais Qatar aussi, je vous ai dit que c'est l'enfant d'Ali Khamenei, c'est l'enfant d'Iran, c'est autre chose. J'en avais déjà parlé à ce sujet, vous allez écouter mes précédentes émissions. Mais une fois que les attaques d'Israël vers Gaza, c'était bien fâché. Ali Khamenei, il a eu peur. Et il est venu dire, écoutez, moi, nous, République islamique d'Iran, jamais on n'a pas dit qu'on va détruire l'Israël, qu'on veut jeter à la mer les Juifs et les Israéliens. Jamais on n'a pas dit ça. C'est un Arabe qui l'a dit ça. Quand il dit un Arabe, il va prendre note de ce que Nasser il a dit, peut-être, les Palestiniens qu'ils ont dit, et Saddam Hussein, etc. Et il dit, c'est pas nous, non. C'est pas nous. Nous n'avons jamais dit qu'on va jeter à la mer ni les Juifs, ni les Israéliens. Et c'est un menteur, lui. Il ment. Mais je vais vous faire écouter quand même, puisque il doit rester dans l'histoire, ce que je vous dis, ce que je vous raconte. Mes chers amis, je vais vous laisser écouter et je vous le traduis. C'est Ali Khamenei lui-même, vous voyez, Ali Khamenei lui-même, il dit, on dit que nous avons dit qu'on va jeter à la mer les Juifs et les Israéliens, mais non, nous n'avons jamais dit ça, jamais nous n'avons pas dit ça, ni Ahmadinejad, ni les autres, vous restez à l'écoute, vous allez voir les surprises. Nous, on n'a jamais dit ça, c'est un Arabe qui l'a dit ça, c'est les Arabes qui disent ça, c'est pas moi. On ne va pas jeter les gens à la mer. Nous, on est pour le voix, pour les élections, pour le vote du peuple. Ce que le peuple va voter, nous, on va l'accepter. Et c'est ici qui est très important. Écoutez, Ali Khamenei, guide iranien, cette morceau-là, deuxième morceau est très intéressant. C'est-à-dire, dans la deuxième partie que vous allez écouter, il dit, non, ce que les Israéliens, ils vont voter des habitants. Les habitants d'Israël, qu'il dit Palestine, ils vont voter. En plus, même ici, il ne dit pas Israël ni Palestine, il dit là-bas. C'est, nous, on va l'accepter. Il insiste que si même les Palestiniens, ils votent en faveur d'Israël, qu'Israël, il reste, qu'il soit sous le gouvernement israélien, les Palestiniens, comme étaient avant, ils travaillaient, comme les Druzes qui sont là. Nous, on est d'accord. Ça, c'est très important. Vous allez voir jusqu'à quel point il a eu peur de dire ça. Après, il donne des exemples. Il dit comme exemple, à l'époque,
quand les Britanniques ils ont voulu quitter certains pays d'Afrique, mais après le peuple, il a dit, nous sommes là pour l'indépendance, d'accord, mais on veut bien que vous restiez ici. Les Britanniques, restez là. Comme certaines colonies françaises, que la France, il est toujours présente, comme Guadeloupe, comme Martinique et tout ça. La France est présente, mais il appartient à la France, tout ça appartient. Ali Khamenei, exactement la même chose, il dit ça c'est nouveau, il n'a jamais dit ça avant. Lui-même, il était pour la destruction d'Israël, c'est un menteur, mais il dit ça aussi, écoutez. کمان که در بعضی از کشورهای آفریقا که بنده زمان ریاست جمهوری رفتم اونجا مبارزه کردن پیروز شدن انگلیسی ها اونجا حاکم بودن بومی ها توانستن انگلیسی ها رو مغلوب کنن Il dit en Israël les habitants ils sont venus de partout mais tous ces gens-là c'est-à-dire même les Palestiniens. S'ils vont rester sur l'arène d'Israël, c'est pas grave. Moi, quand j'étais président de la République islamique d'Iran, Ali Khamenei il dit, j'ai voyagé dans plusieurs pays africains et j'ai constaté qu'il y avait les peuples qui se battaient contre la colonisation britannique. Mais une fois qu'ils ont libéré leur pays, que les Britanniques ils voulaient partir, ils disent non, non, restez là. Restez là, ils ont gardé les Britanniques, c'est-à-dire les Palestiniens, ils vont bien garder l'intelligence éternelle des Juifs d'Israël là-bas. Ils travaillaient comme avant, vous voyez qu'est-ce que... C'est-à-dire ici même pas Ali Khamenei, il ne parle pas de deux États non plus. Non, 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 même pas deux États, il ne te parle pas de deux États. C'est très important ça. Je vais vous dire pourquoi ce changement de tactique qui va changer stratégiquement aussi plein de choses. C'est très important ça. Ils ont bien gardé les Africains et les Britanniques après qu'ils ont fait des combats contre la colonisation. Alors maintenant, il y a la liste des personnes qui vont être assassinés et tués par Israël a été publié. C'est en hébreu, j'ai l'enregistrement également. J'ai l'enregistrement. Là, il cite certains noms comme Ismaïl Haniyeh, comme Khaled Mash'al, et les chefs du mouvement Hamas et Hassan Nasrallah, Ziad Nakhala, Jihad Islami et de l'Iran. La liste, qui est même Benjamin Netanyahu à la télé, j'ai enregistré, j'ai l'enregistrement, même à la télé, concernant l'Iran, il y a seulement deux noms, Benjamin Netanyahu, il a dit que c'est deux personnes-là qui doivent être assassinées. Un, c'est le patron de Pastaran, il s'appelle Hossein Salami. Et l'autre, c'est Ismaïl Qahani, c'est le patron de l'armée de Jérusalem d'Iran, celui qui a remplacé Qassem Soleimani. C'est-à-dire, Israël, concernant l'Iran, il a publié deux noms seulement qu'il va les tuer. Alors, c'est qui ces deux noms-là? Un successeur de Qassem Soleimani, Ismaïl Qahani, l'autre, Hossein Salami, c'est le patron de Pastaran. Mais écoutez bien, ces patrons de Pastaran, élèves, esclaves d'Ali Khamenei, c'est lui-même qui le dit, on va jeter à la mer les Israéliens. Il a dit ça il y a déjà deux semaines. Écoutez bien, je vais vous traduire. C'est Hossein Salami qui parle, le général iranien, patron de l'armée révolutionnaire iranienne. Il précise exactement, il dit aucune solution sauf de les jeter à la mer, au Méditerranée.
aucune solution. Allez, apprenez à vous nager. Ça, lui, il est comme ça, il dit déjà deux semaines. Et Ali Khamenei, il dit le contraire. Il dit non, regardez. در مقابلشان نیست به زودی هلاکت و نابودی این رژیم تصنعی را خواهیم دید شنا کردن در مدیترانه را یاد بگیرد او بهتر است شنا کردن را تمرین کند زیرا هیچ راهی جز به دریا ریختن در مقابلشان نیست به زودی آله بنیامین نتانیاهو تو دو اپران ان نجه au Méditerranée. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui qui le dit. Apprenez. Hey, il sait nager, Benjamin Netanyahu, mieux que toi, mais c'est toi qui vas nager. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on va vous jeter au Méditerranée, vous devez savoir nager. Vous voyez, Ali Khamenei, comment il est démagogue. Son bras droit, il dit ça. Il dit c'est un arabe. Nous n'avons jamais dit ça. Mais ça, c'est Hossein Salami qui a dit ça. Alors, ça... Pourquoi? Pourquoi Ali Khamenei, il dit ça? Après 44 ans, que chaque vendredi, dans leur prière de vendredi, dans tous les mosquées d'Iran, ils ont crié Abba Israël, Abba l'Amérique, Abba Tatati, Abba Tatata. Maintenant, Ali Khamenei, il vient, il dément les paroles de son chef d'armée de Pastaran, mais ça c'est pourquoi? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il a eu peur sans aucun doute. Mais la raison c'est quoi? La raison je vais vous dire, mes chers amis, vous restez à l'écoute. La raison je vais vous dire. Ici et maintenant, c'est tout ce qui compte. Cueillir la saveur de l'instant. Ici et maintenant. Alors ça c'est un enregistrement de télévision israélien, le journaliste est en train d'expliquer comme quoi Israël, Benjamin Netanyahu avec ses deux ministres, écoutez, ils disent que nous allons tuer le Hamas partout dans le monde. Où on le trouve, on va le tuer. Et ça, c'est Benjamin Netanyahu qui parle. J'ai ordonné à Moussad qui tue le chef de Hamas, où on peut le trouver. Alors, il est en train de dire, c'est Khaled Mash'al, chef de Hamas, Ismaël Haniyeh, qui sont tous les deux à Qatar. Et après, il dit au Liban, vous avez Hassan Nasrallah, Ziad Nakhala, מנהיג חיזבאללה. בואו נעבור לאיראן. מטוס של איראן, אקוטה. מכאן הכל מונהג. חוסיין סלאמי הוא מפקד משמרות המהפכה. תחתיו נמצא איסמעיל כהני, האיש שאחראי על כוח קוף. על איראן, 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 אותו פרסון. שמממן, חוסיין סלאמי, כמו שהוא ג'אדי. השלוחות האיראניות ברחבי המזרח התיכון. אגלמן, איסמעיל כהני. עלינו. סוקססור דו. בישראל ראינו לא פעם. ראסם סלימני. C'est-à-dire, vous pouvez constater que là, ici, il y avait un accord, sans aucun doute, parce que Ali Khamenei, il a parlé après ce reportage. Le nom d'Ali Khamenei n'est pas dans la liste de terreur, d'assassinat des Israéliens, comme patron. D'Iran et patron de Hamas et tous les mouvements terroristes. Et ça, je crois que c'était un accord qui était signé, non, signé par parole, entre les deux pays. Et Ali Khamenei le dit ça, et de l'autre côté, on va tuer les deux personnes qu'Israël vient de dire. Et de l'autre côté, Hezbollah libanais aussi. On va changer de tête. Hassan Nasrallah, comme Qassem Soleimani, comme les autres, ils vont être assassinés. Et même le mouvement palestinien, Mahmoud Abbas,
s'il est vivant toujours ou non, ce serait changé, il va donner sa place à quelqu'un d'autre, et tous les gens, l'individu qui vont rester partisans, sympathisants de Hamas, ils vont être liquidés, éradiqués, et on conseille palestinien, mais il fallait qu'ils deviennent comme de Ruse en Israël. De Ruse, elle connaît bien, il reconnaît bien l'État d'Israël, ils collaborent, ils travaillent, c'est leur pays, c'est leur patrie, etc. Ici, Ali Khamenei, quand il a parlé, exactement, il a dit la même chose, c'est-à-dire, les Palestiniens, ils acceptent d'être sous l'autorité d'Israël. Pas deux États, deux États aussi, Ali Khamenei, il n'a pas prononcé ça. Regardez jusqu'à combien il a été reculé, Ali Khamenei. Mais vous savez pourquoi? Voilà, le secret il est là. Le secret il est qu'Ali Khamenei, il est mourant, il va mourir, et c'est son fils qui va prendre la place. Son fils, il s'appelle Mujtaba, une cinquantaine d'années. Alors Mujtaba, ça fait 20 ans que lui dirige le pays, l'Iran. Ali Khamenei seulement, il vient, il parle avec les masses qui viennent le voir de temps en temps, mais tous les rapports et tous les ordres de gouvernement, c'est fait par Mojtaba Khamenei. Et personne ne parle pas de Mojtaba Khamenei. Personne, qu'il soit modéré Rouhani ou de l'autre côté réussi, ou les opposants et tout ça, personne, puisque c'est interdit. Ali Khamenei, il a interdit de parler de son fils avant qu'il prenne le pouvoir, puisqu'il veut présenter son fils comme un saint. Et jusqu'à aujourd'hui que je suis en train de parler avec vous, ça fait 20 ans que Mojtaba Khamenei, c'est lui qui gère l'Iran, cette garçon, à l'époque qui était gamin, quand, avant la révolution, quand je le voyais, maintenant en cinquantaine, et c'est lui qui gère l'Iran depuis 20 ans, et son père, seulement il parle, mais l'exécution, transmission des ordres, patati patata, tout ça, ça se passe par Mojtaba Khamenei. C'est-à-dire, et tout le, à l'époque même, il est passé ici à Paris, et il voyageait, il voyage partout, bien sûr avec des passeports, avec des noms différents, mais sa famille, son oncle même, il est parti en Israël, depuis longtemps. C'est-à-dire, lui, il est en train de préparer un autre Iran, soi-disant, après son père. Et déjà personne ne parle pas de tout ça. On a pu constater plusieurs fois quand Ali Khamenei il venait parler avec le peuple, il y avait plusieurs dizaines ou centaines de personnes devant lui. Il disait n'écoutez pas ces gens-là, c'est-à-dire ces enfants, qui disaient oh là, on a essayé, c'est terminé. Il disait non, restez là, parlez, tout ça. C'est-à-dire ce conflit était toujours à papa-fils, et même il a changé la totalité. Service de sécurité de son père, le patron c'était Wahid Haqqanian, un général qui pendant 20 ans il était chef de garde d'Ali Khamenei, il les a changés, il a changé patron de service de renseignement de Pastaran et beaucoup d'autres choses, et il a éliminé également tous les concurrents qu'il y avait devant lui, qu'il soit Qassem Soleimani ou la famille Larijani qui a été patron de la justice et d'autres, il a tout écrasé, on peut dire, il a préparé le chemin. Seul concurrent qu'il a actuellement, c'est Reissi, qui est son copain. Mais de l'autre côté, moi je pense que Reissi, il va être éliminé également, puisqu'il a fait un accord avec Rouhani. Rouhani, il a déjà accepté Mojtaba Khamenei comme guide, puisque pendant 8 ans il a travaillé avec lui. Ah, il ne donnait pas ses rapports et tout ça, il ne prenait pas des ordres d'Ali Khamenei, il prenait de Mojtaba Khamenei. C'est-à-dire, il a une expérience de 8 ans et plus avant et après avec l'office d'Ali Khamenei. Pour ça, c'est lui qui va remplacer son père, et c'est le programme de la République islamique d'Iran pour les années qui viennent. Et il ne faut pas oublier, malheureusement, cet État terroriste, cet État qui même jusque maintenant il est en train de tuer son peuple et les autres mouvements terroristes dans le monde, il le soutient,
il est infiltré dans plusieurs pays. Je ne parle pas des pays africains qui sont tellement nombreux, je ne parle pas d'Afghanistan, de Pakistan et de l'Inde, qu'ils ont bien organisé les chiites partout dans le monde, mais officiellement, il a en main Yémen, le Liban, l'Irak, la Syrie, ce n'est pas Bachar al-Assad, c'est l'armée révolutionnaire iranienne et les Russes qui sont là-bas. Et les Russes, c'est les alliés d'Ali Khamenei, ils sont alliés, liés ensemble. Voilà, c'est ça que je voulais vous donner ce soir, cette information qui est fraîche, que personne ne savait pas. Cette analyse, c'est une analyse correcte, exacte, et vous allez voir, sous le scène politique iranien, Cartier, hégémonie de la République islamique d'Iran, et ce qui se passe dans le monde, et c'est pour ça que vous voyez, puisqu'il y a un accord mondial pour la succession de fils d'Ali Khamenei, c'est pour ça que même Biden, il marche avec l'Iran. J'avais déjà dit concernant Gauche Caviar que l'Iran, la République islamique d'Iran, puisque Ali Khamenei c'est un marxiste, et c'est un communiste, ils sont liés avec la gauche mondiale. Et parti, une chose avant de terminer, je vais vous préciser, Parti démocrate américain, c'est un parti socialiste. Puisque le socialiste communiste était interdit depuis des années là-bas, alors le Parti démocrate, qui est toujours face aux républicains, est toujours il est proche de l'Union soviétique de l'époque, actuellement de la Russie. Et vous avez pu constater, concernant les élections, on a dit qu'il y avait des interventions des Russes, les emails, je ne sais pas ça, patati patata. Parti démocrate américain, c'est un parti socialiste lié avec le socialisme mondial. Et surtout, le chef de nouveau ordre mondial face à l'autre ordre mondial, la Russie. La Russie, il ne faut pas l'oublier, qui joue assez fort actuellement dans le monde. Et l'exemple, Ukraine a été oublié après que Ismaïl Haniyeh, il a rencontré Poutine et après ils ont fait leurs attaques. Notez bien ça aussi, c'est très important. Le 7 octobre qu'attaque a été faite, Ismaïl Haniyeh, qui habite à Qatar, n'était pas à Qatar. Il était où? Non, il n'était pas en Iran. Il était en Turquie. Il était en Turquie, une fois que l'attaque s'était faite, tout de suite, on l'a mis dans l'avion vers le Qatar. Ça, il faut savoir que même la Turquie joue malin. Je vous ai toujours dit depuis 40 ans que les patrons des pays musulmans, ils sont unis dans les stratégies. Mais chacun, ils ont des tactiques différentes. Quand il y a des tactiques différentes, il y a des conflits entre eux aussi. Yémen, Arabie Saoudite, mais maintenant Yémen, Israël, hein, terminé. Mais Arabie Saoudite, Turquie, l'Iran, Qatar, ils sont en train de jouer pour prendre la direction de pays musulmans. Chacun, ils font des concurrences entre eux, mais stratégiquement, ils sont unis. C'est ça que l'Occident n'a pas encore compris. Pourquoi? Puisque l'argent de tous ces pays-là compte dans les élections de l'Occident.